Non, beaucoup de gens ont réagi sur les réseaux sociaux en disant que c'était anormal de ne pas s'intéresser à ses collègues de travail, de ne pas être capable de citer leur nom. Ils ont raison. Donc je voulais vous montrer un extrait juste avant le prime, touche pas mon public, au moment où on se demandait qui allait faire partie ou pas de l'émission. Tu fais le prime, jeudi ? Bah, mais comme là. Bah, déjà, il y a Eno et Jean-Luc. Toi, Isa, moi. Titi, je pense. Christophe. Gilles. Gilles, et 7. Après, peut-être 8. Ah, t'as peut-être Zaya, un truc comme ça. T'as peut-être Zaya ou. Zaya, c'est pas Zaya, c'est Nabila. Nabila, ouais. Franchement, c'est pas drôle. Oh, ça va. C'est pas fait. Ouais. C'est une énergie. Ça va. Fait exprès. Ouais, alors, ouais, mais j'aime pas. Non, mais ça va. Alors, vous sortez, Nabila, vous sortez. Ça va, oh, ouais. Ça va. Vous connaissiez même pas son prénom, vous, mais Nabila, oui, le pauvre, là, il a été vexé. Ouais, mais moi, je l'ai pas comparé à je sais pas qui. Bah, vous auriez pu. Et vous auriez dû. Pas fait exprès, Nabila, c'est pas. Et vous auriez dû. Non, parce que si t'avais dit Rocco Siffredi, il aurait été flatté. Ouais, c'est vrai. Elle est vexée, Nabila. Alors, Nabila, si vous commencez à être vexée. Non, mais si vous commencez à être vexée dans cette émission, vous n'allez pas faire long feu. Ça m'énerve. Bah oui, mais alors, c'est pas pareil. Il énerve tout le monde, c'est pas un problème. Bienvenue, messieurs, dames, sans aucun doute, nous allons aujourd'hui régler les problèmes.